soleil chaque jour éclaire toute la terre sans attendre en retour quelque chose de la terre. Il accomplit simplement tous les jours que Dieu a fait la mission que le Seigneur lui a confiée. Le soleil chaque jour éclaire toute la terre sans attendre en retour quelque chose de la terre. Il accomplit simplement tous les jours que Dieu a fait la mission que l'Éternel lui a confiée. C'est ça le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les hommes. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Non jamais, au grand jamais, aucun arbre sur la terre ne produit des fruits pour lui-même bien-aimé, mais plutôt il le fait toujours pour les autres. Non jamais, au grand jamais, aucun arbre sur la terre ne produit des fruits pour lui-même bien-aimé. Plutôt il le fait toujours pour les autres. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ notre Seigneur, lui le grand soleil de la justice, il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il guérissait les malades, consolait les affligés, nourrissait les affamés. Voilà le bien-être universel. Jésus-Christ notre Seigneur, lui le grand soleil de la justice, il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il guérissait les malades, consolait les affligés, nourrissait les affamés. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ notre Seigneur, lui le grand arbre de la vie, il a produit des fruits tellement merveilleux. Il a produit la foi, il a produit le Saint-Esprit, il a produit la patience pour que nous puissions les consommer. Jésus-Christ notre Seigneur, lui le grand arbre de la vie, il a produit des fruits tellement merveilleux. Il a produit l'amour fraternel, il a produit la patience, il a produit donc l'amour pour que nous puissions les consommer. Voilà le bien-être universel.
universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le but des rivières, le but de tous les fleuves et de toutes les mers, c'est d'aller ravitailler le grand océan sans jamais se soucier qu'ils arrivent un jour à tarir. Le but de tous les ruisseaux, de toutes les rivières, le but de tous les fleuves et de toutes les mers, c'est d'aller ravitailler le grand océan sans jamais se soucier qu'ils arrivent un jour à tarir. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui le grand soleil de la justice, n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il guérissait les malades, consolait les affligés, nourrissait les affamés. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui le grand arbre de la vie, il a produit des fruits tellement merveilleux. Il a produit la piété, il a produit la connaissance, il a produit la tempérance pour que nous puissions les consommer. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le soleil chaque jour éclaire toute la terre sans attendre en retour quelque chose de la terre. Il accomplit simplement tous les jours que Dieu a fait, la mission que le Seigneur lui a confiée. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Non jamais, au grand jamais, aucun arbre sur la terre ne produit des fruits pour lui-même bien-aimé, mais plutôt il le fait toujours pour les autres. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres.
tous les fleuves et de toutes les mers, c'est d'aller ravitailler le grand océan, sans jamais se soucier qu'ils arrivent un jour à ta vie. Voilà le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le naturel typifiant le spirituel, le naturel typifiant toujours le spirituel. Nous devons donc vivre à l'image de la nature. Nous devons donc vivre à l'image de la nature. Le naturel typifiant toujours le spirituel. Le naturel typifiant toujours le spirituel. Nous devons donc vivre à l'image de la nature. Nous devons donc vivre à l'image de la nature. Car c'est ça la loi du bien-être. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Voilà le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Voilà le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. 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 Le bien-être universel, c'est vivre pour eux.